Ça y est, nous sommes à l'hôpital. Je te promets. Bon, du coup, même si c'est déjà fait, on va quand même le faire. Petite sauvegarde. Dans le coffre, j'avais rien de particulier. Hop, mission. Terrell, tu sais où est Bard? Il doit être dans le labo du fond. Sois prudent, je suis en route. Compris. J'y vais. Ah putain, il faut retrouver une coupe-coupe. Je veux retrouver une pince. J'arrive qu'à deux petites minutes, j'arrive. Je me les pèle moi dans ma chambre, laisse tomber. Alors. Comment je le sens trop pas cet hôpital. Moi tiens. Vraiment pas le moment. Putain, alors il s'est vraiment pas visé Carlos par rapport à Gilles hein. Putain. Non, ta maman. Ouais, à deux coups de train là, ça va. Je vous dérange pas les gars. Deux contre un, bonne journée. Oh, une petite figurine. Toujours sympa à prendre. Bienvenue dans le bureau du docteur Nathaniel Barr. Veuillez indiquer la raison de votre visite via l'interphone. Lecteur cassette. Ma raison d'être ici. Oh bah parce que le monde il part en couille dehors. Voilà ma raison de ma venue. Oh putain! Finalement je repasserai les gars, ok? Bonne journée! Docteur Bard, vous m'entendez? Je viens vous sortir de là. Ouvrez la porte! Voix non identifiée. Voix non identifiée? On est dans un film de SF ou quoi? Un film de SF. SF. Ah bah 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 non madame. Excusez-moi. Je suis déjà marié. Ou pas. Non mais lâche-moi, sérieux. Heureusement que toutes les femmes ne sont pas comme ça. Parce que là je commence à me poser de sérieuses questions. Non mais. Sérieux. Oh. Il va falloir à un moment donné. Alors franchement j'aime bien avec Carlos, c'est assez bourrin, mais waouh, ça a abusé le nombre de munitions qu'il faut pour arriver au bout des zombies quoi. D'accord que normalement ça joue sur l'esquive et compagnie, mais là c'est exagéré. Ça c'est fermé. Il
Ils ont essayé de me faire flipper parce que là c'est raté. Je suis sûr que Carlos aurait rencontré Chris Redfield. Ils auraient pu bien s'entendre tous les deux. Je sais pas pourquoi j'ai sauté là-dedans, mais j'ai sauté. Des fois, je fais des drôles de choix, moi. Mmh. Ah, je te jure. Putain, ah non, j'ai bien fait de sauter. Une clé. Locker room. Qu'est-ce que ça va bien pour moi ? Ah ouais ? Merci. Alors, qu'est-ce qu'il y a là, ici ? Munitions. Ouais, mais avec tout ce que j'ai mis dans la tête, à celle-là, elle se relève encore. Non, mais c'est pas possible. Ah non, non, j'ai vidé trois chargeurs et elle se relève encore, tu sais. Ah, tu vois à quel point ça a abusé. Un chargeur, je comprendrais, mais là, putain, trois, mais c'est de l'exagération, quoi. Le jeu qui me fait une sauvegarde automatique, ça va. T'as cru que je t'avais pas vu ou quoi? Putain. Safe online. C'est le truc des archives, ça. Sauvegarde. Non, qu'est-ce que tu fais? Plan de l'hôpital. Ok, alors. Archive, toit, salle du personnel, chambre, salle de soins, buanderie. Toi, tu disais que ça devait être dans la buanderie, c'est ça? La clé. Le cœur, c'est vestiaire normalement, donc. Ouais. On verra bien, mais là, vu le carton que c'est ici, putain, laisse tomber. Si tout le monde commence à se relever, mon gars, c'est la merde. On va recharger le flingue parce que je sens que ça va se relever dans tous les sens. La carte d'accès ne doit pas quitter l'hôpital sous aucun prétexte. Nos règles de sécurité exigent que vous disposiez de votre carte d'accès au vestiaire chaque jour à la fin de votre service. Ah bah tiens. Les clés du vestiaire a disparu. La dernière personne... la clé je l'ai. Ah bah du coup, on va pouvoir trouver la carte d'accès. Ok, là tous les casiers à fouiller. Oh putain! Couillon! Il m'a fait peur! Avec leur fameux cadavre là qui tombe des placards, tu sais. Je l'attendais pas du tout. J'ai enchaîné l'ouverture des placards et d'un coup je ding! Le truc qui tombe droit dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula! J'ai cul! Il a de bons réflexes! Un hunter! Oh putain! Ça, c'est les nouvelles créatures qu'ils avaient dit qu'ils avaient rajoutées. Mmh. Et c'est un hunter. Je le sais parce que. Dans. Raccoon City, le petit jeu en coop, tu les avais. Mmh. Ouais. Il leur a fallu un nombre incalculable de balles.
pour arriver à bout. Ah, reste là mon grand. Ça, je sais que ça te plaît pas. Non, tu crois? Je crois que je sais ce qui arrive à la cassette du Dugan. Elle a disparu. Son assistant de recherche à la prise. De recherche la prise. L'un de mes patients a vu retirer quelque chose du casier du poste d'infirmière. Avant d'aller à la salle de soins, je vais essayer d'y faire un tour discrètement pendant le service de nuit. Quant à toi, continue à ton travail comme si de rien n'était. Ok. Oh putain! Le Hunter, il est là. Oh putain, il y a deux Hunters! Maman! Ok! Ça donne pas trop envie d'y aller. J'ai plus que... Ouais, on va pas le faire quoi. 47 balles. Ok. C'est quoi là qu'on entend? J'ai mis le casque en charge. Non, c'est vrai que ça marche pas. Ok, tant mieux, moi ça m'arrange. Allez, ciao, je me casse ici. Reste dans le bâtiment si tu veux. Non mais là je tourne en rond. Alors, petite pause. Ok, poste des infirmiers. Ah putain, allez. Allez quoi. Ça va, je dérange pas tout le monde. Non, mais c'est quoi tous ces zombies là? Ouah, il y en a dans tous les sens mon gars, t'as pas un moment de répli avec lui. C'est pas possible. Et encore un qui se lève. Décidément. Putain, je suis revenu ici. C'est quoi ce délire? Ah, il y a un coffre, mais je sais pas comment l'ouvrir. Putain de coffre. Salle de soins, ok, c'est ici. Donc moi je suis où? Je suis là, faut que je redescende là. Là, ok, ici. Ok. Donc là, faut que j'aille par ici. Émergencie, vaccine, recherche. Non, c'est derrière moi. Ah ouais, c'est derrière moi, mais... Comment tu veux que je passe là-bas, moi? Ok, il y a un blème quelque part. Ok, je viens de comprendre. Si je vais par là, on va en direction de la salle des soins. Donc, ensuite c'est ici. Entre les... Dans... Oh, allez, toi casse-toi.
là où il y a les hunters, comme par hasard. C'est une putain de blague, ah ouais. Dites-moi que le jeu, il m'en veut. Merde. Je peux même pas rentrer. Eh non, c'est bugué, je peux pas rentrer dedans. Les hunters sont derrière la porte et je peux rien faire. Que conneries. Les hunters sont derrière la porte. Hein? Bah lui, il a réussi à sortir. Que je suis venu foutre ici la cassette audio, c'est ce dont j'avais besoin. Okay. Alors, utiliser castor. Ah, merci. Alléluia, j'ai réussi à m'en sortir. J'ai un peu gaspillé toutes mes munitions, mais j'ai réussi à passer. Alors maintenant, faut que j'aille tout droit et à gauche. Faut que je redescende. Oh putain, l'hunter il est là! Oh putain, j'ai mis une patate, j'ai réussi à le coucher. Je ne demande pas comment, mais j'ai réussi à le coucher. Avec une patate de forain, le mec, je l'ai... j'ai dit coucher, Bobby. Mais Carlos, il a des bons réflexes, hein. Allez, on se casse ici. Des grenades. Oh oui, et des grenades flash. Raccourci ici. Des munitions, impeccable. Encore mieux. Tous volés. Des munitions. Ici, le cadenas est toujours bloqué. Excusez-moi. Tout ce que je voulais savoir, c'est ce que ces documents faisaient dans votre bureau. Vous savez à qui vous parlez ? Je suis Nathaniel Barthes, bon sang! Le meilleur biologiste que vous rencontrerez dans votre misérable carrière d'infirmière à deux balles! C'est quoi, c'est le docteur là, quoi, il s'est suicidé? Barthes. Tyrell, Barthes est mort. Il a été abattu. Merde! Et le vaccin? Je cherche. Ouais, bah trouve! Il doit y avoir un ordinateur, non? Invitation à un banquier. Le besoin de... spécial.
En fait, ils veulent pas trouver de vaccin, quoi. Ils veulent pas qu'il y ait de vaccin, les salopes. Ils sont pas gentils dans Resident Evil, hein. De Nathalie le bain. Le Saint Graal, je le garde non pas pour ma famille ni pour mes maîtresses, mais pour toi. Chef du VRC, Nathaniel Bard. 29 septembre, 23h. Je suis parfaitement conscient que mon temps est compté. Et j'espère qu'en faisant cet enregistrement et en révélant la vérité au grand jour, je pourrai rétablir mon honneur, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Le cauchemar de Raccoon City a commencé avec la libération d'une arme biologique appelée Virus T. Mon employeur, Umbrella Corporation, a conçu ce virus. Et ils ont ordonné à mon équipe de développer un vaccin, ce qu'on a fait. Je garde des échantillons de ce vaccin ici dans mon bureau, et le reste est stocké sous terre. Mais tous ces enfoirés qui sont aux commandes, ils veulent le détruire. Ils ne veulent pas que le monde sache ce qu'ils ont fait. Donc ils essaient d'effacer toute trace de l'existence du virus. Mais je suis pas stupide. Je sais qu'ils veulent pas que... T'as cassé l'écran! Et t'as ouvert la porte en cassant l'écran. Le vaccin est ici. Bah j'ai le vaccin, tiens. Les trucs violets. Échantillon de vaccin. Tiens bon, Jill. J'arrive. Donnez le vaccin à Jill. Jill! I am back. Ariel, je l'ai. Bien joué. Je te rejoins. Sois prudent. Prudent? Non mais, t'as vu l'état de la ville? Ce sera un putain de miracle si j'arrive en un seul morceau. Un hunter! Tiens. Non, merde. Cool, une seule grenade t'a bousillé, mais sauf que j'en ai plus pour tes copains. Alors, la réception, chambre, Jill. Ok, faut que je prenne le couloir. Putain, il y avait un truc dehors, j'ai pas pu y aller. Salut la compagnie! Encore vous? Venez! Salut Noël! Je sais que vous les aimez les flashs.
exercice. Alerte à tous les citoyens. Ça nous laisse qu'un jour. Il reste des survivants en ville. Va dire ça, l'oncle Sam. Merde, ils arrivent. Ok, reste là. Je m'en occupe. Je ferais mieux de m'équiper. Ils ont l'air sacrément nombreux. On va faire une petite sauvegarde. Les gens ils sont pas motivés ce soir. Je vais essayer de baisser les volets des fenêtres. On est sur le live. Ah, mais c'est toujours comme ça, hein. On ira dans le système de sécurité de l'hôpital. Toi, retiens-les pendant ce temps-là. Oh yeah, vive l'action, quoi. Et ben j'espère qu'avec tout ça, j'aurai assez de munitions et que les zombies vont pas me faire galérer. Là c'est déjà mal parti. On va utiliser celui-ci. Non, 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 non. Ah mais putain, arrêtez de me croquer. J'ai même pas la cisaille, j'ai rien. Calmez-vous. C'est reparti pour une vague. Putain, mais alors comment tu veux faire ça en speedrun? Qui vont trouver le moyen? Ah oh non, non, ça je m'en doute, il y a toujours un moyen de le faire en speedrun, mais là quand tu vois la scène là qui est vachement longue. Je m'en doute qu'il y a toujours moyen quoi. Génial. Ah, c'est pas vrai. Cherche le disrupteur. Il doit être quelque part. Ah bah oui, maintenant il y a un hunter. Bah de mieux en mieux, dis-moi. Un petit moment, il faudrait peut-être que tu te mettes à courir maintenant. Aïe aïe aïe. Ok. Non. Ah oh, bah je suis con. La porte est en train de péter. Non, t'inquiète. Hop là. Tout le monde se calme. On reprend le contrôle de la situation. Ou pas. Ça y est presque. Ah mais en fait il y a les fenêtres qui se ferment, les volets se ferment là et tout. Aïe, comment que ça met grave du temps à se fermer.
Mais... Ah ouais 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 ouais. Au moment où j'ai décidé pas d'utiliser ma dernière grenade. Ok, alors, hop, utiliser. Non. On va essayer de le bloquer. Même quand j'essaie de les cuter, ça marche pas. Ah bah, les portes ont cédé. Au cas où. C'est le détonateur. On peut peut-être faire tomber la colonne avec cet explosif. On occupe. Ok. Prends le monde de recul. Merci. Cool, j'ai plus de munitions. Hop 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 putain. Oh, ça va péter. Badaboum. Ça pouvait être pas mal hein. Effectivement. Est-ce que ça va? Non. J'ai connu mieux. Mais au moins c'est fini. J'arrive. Le vaccin a bien marché. Bien. Tu vas quelque part? Adoré. Et tu vas faire quoi? La ville est sur le point d'être pulvérisée. S'il te plaît, appelle le gouvernement. Dis-leur qu'on a trouvé un remède. Gagne du temps. Faut toujours qu'il joue au con. Non, il joue juste au héros. Il joue pas à les cons. Pas pareil. Bon, c'est à son tour de se balader dans l'hôpital, je suppose. Jill. Oh. Dieu merci, t'es vivante. Bonne nouvelle. Tout est fini. La ville est sauvée. Vache! Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce que c'est que ça? Vache! Ah, sûrement, c'était un cauchemar qu'elle est en train de faire. Oh, je suis dégueu. C'était un cauchemar!